that praise, that fortune is my portion. Si vous êtes content d'être en ce troisième culte, if you are excited culte prophétique, couplé avec journée d'alliance de sauvetage, with this covenant, alors lève ta voix vers le Seigneur et enregistre ta présence devant le Seigneur ce matin. Lève ta voix, commence par lui dire merci pour la grâce et l'opportunité que tu as d'être en sa présence ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Call to worship. Pour notre appel à l'adoration. Let's open our Bible to the book of Psalm 124. Nous ouvrons notre Bible dans le livre de Psaume 124. In today's covenant hour of rescue. En cette journée d'alliance de sauvetage. The choir will be leading us on a hymn. La chorale va nous conduire dans l'hymne. Titled Leaning on the Everlasting Arms. Enjoy the right leaning. Everlasting what a blessed name. What a blessed what a peace is mine. What a peace is mine. Leaning on the everlasting arm. On the everlasting arm. Safe and secure from all our the prophetic focus for this month of July 2024 is on my way to my high places. Le thème prophétique pour ce mois de juillet 2024 est en route pour mes lieux élevés. Comme je suis plus que vainqueur, Dieu nous a sauvés dans un accident semaine dernière, moi et ma petite famille. Nous partons vers le nord dans une inhumation et nous étions à une grande vitesse. En doublant une voiture, lorsqu'on a constaté que quelque chose nous a frappé. Là, on n'est plus sur la voie. Le véhicule voulait faire le tonneau au moment que j'ai constaté que j'étais devant un titan qui venait à vive allure aussi. Donc, je ne sais pas ce qui m'a guidé. De l'autre côté, je me suis tombé sur une autre voiture déjà garée. Je suis venu de troisième côté, il y a un bus. Donc, je ne sais plus comment faire. Et pour la quatrième virage, je me suis tombé sur la voie avec le véhicule. C'est comme si le truc soulevait le véhicule et jeté quelque part. Donc, on était tombé sur la voie, je dirais comme ça. Un peu loin, on s'est freiné. Nous étions tous descendus et venus voir ce qu'on a cogné. Et c'était une autre dame qui voulait virer sans regarder derrière, qui nous a frappé au dos et lui-même s'est retrouvé dans la brousse, dans un trou. Sains et saufs, eux aussi, ils se sont sortis et nous aussi, rien ne nous arrivait, seulement les voitures sont bousillées. Our brother is here to return all the glory to the Lord because the Lord saved him and his family from accident. He said last week they were going to the north of the country and they got involved into an accident. He was driving and suddenly something hit their car. So he didn't know what to do again. He was not on the road, but on front there was a trailer that was coming with speed. And behind them there was another woman that was coming with speed. So the car needed to somersault, but glory be to the Lord. The Lord delivered him and his family. Not that they didn't got injured, and he's here to return all the glory to God. Hallelujah.
It's time for personal supplication. Il est temps pour la supplication personnelle. Life is personal. La vie est personnelle. In Psalm 86, verse number 17. Psalm 86, verse 17. It says, "Show me a token for good, that they which hate me may see it, and be ashamed, because thou, Lord, has helped me and comforted me." Fais-moi du bien, Seigneur, afin que ceux qui se moquent de moi puissent le voir et te rendre grâce parce que tu m'as fait du bien. Please, church, take any position that is convenient for you. Prenez n'importe quelle position qui vous est convenable. And go before the Lord in your Allez personal devant le desires. Seigneur. Nous avons un mot de bienvenue pour tous les nouveaux venus. We have a welcome church for the first time worshippers. C'est notre privilège d'accueillir ceux qui, pour la première fois, viennent adorer notre Saint Jésus-Christ un dimanche dans cette église. It is my privilege to welcome some people into the service. Those who are worshiping with us for the first time. Si c'est votre cas, veuillez lever la main. If it's your first time worshiping with us on a Sunday like this, please, in your seated positions, lift up your hands. Église, applaudissons très fort notre Saint Church, put your hands together for the Lord Jesus. Une fois encore, mettez les mains ensemble pour le Seigneur. Once again, put your hands together for the Lord. C'est le moment des offrandes. It is offering time. Emballez vos offrandes. Package your offerings. Vos dîmes. Your tithes. Et tout autre investissement pour le royaume. And every other kingdom investment you have to give. Philippiens 4, verset 17. Philippians 4, verse 17. Thank you for your word and for service. Père, pour ta parole, le premier culte, nous te disons merci. And your presence in that service. Et ta présence dans le culte. Also for your word that came our way in the second service. Également pour ta parole qui est venue your à nos deuxième culte. Presence that was with us, we say thank you. Ta présence puissante qui était avec nous, nous and te disons merci. Thank you because you know you are in this third service. Nous te remercions également parce que nous savons que tu es dans ce troisième culte. Lord, as we round up, breathe upon our hearts. Seigneur, pendant que nous le faisons, souffle sur nos breathe cœurs. Upon your word. Souffle sur ta parole. Open our understanding. Ouvre notre intelligence. And we vow to return the glory to you. Et nous jurons de te retourner thank toute la you, gloire. Sweet Spirit of God. Merci, doux Esprit Saint de in Dieu. Jesus, mighty name, we have prayer. Dans le puissant Jésus. What is in the word? Y a-t-il dans la parole? Or how does God guide us by His word? Ou comment est-ce que Dieu nous dirige-t-il dans sa parole? Number one, numéro un. The word of God, la parole de Dieu, shows us the right way to go in our life endeavors. Nous montre comment nous engager dans les activités right de notre vie. Way, la manière idéale. Proverbs 14:12. Proverbe 14. There is a way that seemeth right, not the right way. Il y a une telle voie qui paraît juste à l'homme. Unto man, qui paraît juste à but l'homme. But the end thereof are the ways of death. Mais la fin de cette voie, ce sont les voies de la mort. It looks like it, but it is not it. Cela a l'air de cela, mais cela ne l'est Jésus. Pas. And when the rain is falling, does not mean the sun won't come out. Qu'il n'y ait plus ne veut pas dire qu'il n'y aura plus soleil. That there is darkness does not mean the sun will not come. Qu'il fasse noir aujourd'hui ne veut pas dire que le soleil ne viendra pas. I don't know the rain pas. That is falling in your life. Je ne sais pas le genre de pluie qui tombe dans ta vie. I don't know the darkness that is covering your life. Je ne connais pas les ténèbres qui ont envahi ta vie. According to that word in Daniel 12 verse 3. Mais je décrète sur cette parole dans Daniel 12 3. Your season of shining has finally come. Ta saison pour briller est finalement arrivée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi soit-il. There are people that look at you, they say you are broke. How can you call me broke? Il y a des gens qui te regardent et disent que tu es un pauvre loup. Pourquoi? Are we together? Est-ce qu'on se suit? Hello. Hi. The manual. Le manuel. What more? What the word of God makes wise. La parole de Dieu assagit. It makes us wise. Il nous rend, elle nous rend sage. When you operate the wisdom of God, you beat men with the wisdom of the world. Quand vous agissez avec la sagesse de Dieu, vous allez battre les gens. Psalm 119 verse 7. Psalm 91 verset. The Bible says, converting the soul and making wise simple. La Bible dit qu'il change les âmes et qu'il rend, il apprend la loi et la justice. The word makes wise. 19:7. Sorry, I beg your pardon. 19:7.
The word of God makes wise. La parole de Dieu rend sage. And they that be wise shall shine like the brightness of the firmament. Et ceux qui seront sages vont briller comme des étoiles du firmament. You will shine, oh. Vous allez briller. In that business, you will shine. Dans cette affaire en question, tu in vas your briller. Career, you will shine. Dans ta carrière, tu vas Men briller. Men that you are looking up to today will look up to you tomorrow. Ceux que tu regardes avec admiration aujourd'hui vont t'admirer demain. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. That they say what the word says. Dis ce que la parole de Dieu dit. Il est écrit. When you declare what is written, what is happening will change. Quand vous déclarez ce qui est écrit, ce qui se passe va changer. It is what is written that changes what is happening. Qui change ce qui se passe. I decree one more time. Une fois encore, je décrète. Every negative happening in your life. Tout événement maléfique négatif dans I prophesy from this altar. Je prophétise by what is written. I command what is happening to change in the name of Jesus. Je décrète à ce qui se passe actuellement de changer au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi soit-il.